Salut, salut, salut la famille, je suis aussi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Je suis là-bas, vous pouvez me trouver sur les quatre plateformes. Bon, bref, aujourd'hui, nous allons parler des Miss Côte d'Ivoire 2022. Trop d'émotions dans mon corps. Parce que tout à l'heure, je vais vraiment bailler, je vais vraiment casser, framponner un peu, donner une leçon aux femmes et donner aussi une leçon aux hommes. Franchement, c'est une leçon, et puis c'est si cette fille-là, on peut prendre l'exemple et copier ça dignement. Regardons un peu trop d'émotion dans son corps. Regardons. Présidente, pas pourquoi je pleure. Non, je pleure parce que vraiment il y a trop d'émotions. Je vais bailler. Bon, on va quitter là. Il y a une femme là, je sais pas. Elle est un peu jalouse là. Regardons cette maman. Bon, bref, j'ai fini. Vous avez vraiment regardé et les photos vont commencer à défiler. Je vais rentrer dans le but du sujet. Est-ce que vous avez constaté quelque chose avec la Miss Côte d'Ivoire 2022? Je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment des yeux qui sont un peu gros, qui peuvent regarder, qui ont constaté quelque chose. Qui ont constaté, qui ont vu au moins quelque chose dans cette vidéo. Et si la Miss. Bon, bref, je vais aller parce qu'il y a des gens, je vais les expliquer, vaut mieux comprendre. Est-ce que vous avez vu la jeune fille? Elle n'a pas mis pour qu'on puisse la nominer Miss Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu sa tête? Est-ce qu'elle a porté perruque ou elle a porté tissage de 300 000, 400 000 mèches humaines? Est-ce qu'elle a fait ça? Non. Au début, c'était ça, mais maintenant, regardez son teint. Avant, je n'aimais pas regarder Miss Côte d'Ivoire parce que quoi? Miss Côte d'Ivoire, il y avait trop de trucage dedans. Je vous dis la vérité, ouais. On prenait, surtout quand tu as la peau claire, si ton teint est clair seulement là, on te prend. Mais maintenant là, quand tu regardes, on commence à Olivia Yassé, regarde son teint, c'est bien ciré. Regardez cette fille. Tu as remporté 2022 là. Son teint est bien ciré aussi. Je suis content. Je suis fier d'être ivoirien. Je suis fier d'être africain. Les blacks, quand vous prenez les filles qui changent leur peau pour devenir claires là, quand on dit voici Miss Côte d'Ivoire même, elle est claire. Les blancs savent que nous là, nous on n'est pas clairs, on est noirs. On doit être fier. On doit être fier de nos régimes, de nos cultures. Plutôt, nous allons avancer. On doit être fier. De nos continent africain, est fier d'être noir, est fier dignement. On doit présenter ceux qui vont se présenter Miss Côte d'Ivoire 2023 là. Mettez ça dans votre tête que c'est pas la peau on regarde, c'est pas la peau claire là on regarde. On regarde la beauté et puis le teint. Vous ne savez pas. Donc vous ne savez pas. Vous pensez que c'était avant où on regarde, on voit non celle-là elle est claire, c'est elle on va prendre. Ou on va voir celle-là oui ses parents sont bien placés. Non, maintenant il n'y a plus ça. On ne regarde plus ça. Les filles qui sont achetées les mèches 300 000, 400 000, vous ne savez pas où on enlève mèches là même. On dit en aide là-bas là. Donc eux là, à chaque fois ils se rasent seulement pour aller vendre quoi. Vous ne savez pas que mèches que vous achetez à 300 000, 300 000 là, ça quitte l'au-delà quoi. Vous ne savez pas où ça quitte. Vous pensez que c'est si tête des gens on enlève toujours quoi. Non, non, non. Vous ne connaissez pas le monde spirituel. Ça là, c'est satanique. C'est plus vous portez, vous achetez 300 000, 400 000. Il y a d'autres mecs qui portent là. Les activités ne marchent plus. Comment toi, tu vas aller acheter mèches, cheveux de ta camarade?
ou de ton ami, parce qu'il y a pour garçon aussi dedans, pour ton ami, et puis tu ne sais même pas il a quel esprit sur lui. Vous ne savez pas que mèche tu es là, comment dirais-je, cheveux tu es là, on prend ça pour travailler avec ça. L'esprit se promène dedans. Les mèches que vous portez là, d'autres même, dans le monde spirituel là, c'est les serpents. Les filles, c'est les serpents. Ceux qui voient éclairer savent. À cause de d'autres cultures là, à cause de les musulmans, bon, excusez-moi, hein, je vais rentrer dedans. L'islam, quand une femme veut aller à la mosquée là, elle se voile. Elle attache sa tête. Elle attache sa tête. Parce que, surtout même la plupart, même l'islam, même eux, ils n'aiment pas les femmes qui mettent mèche. C'est pas joli à voir, c'est pas bon. Parce que dans le monde spirituel, ils savent ce que ça signifie. Il y a d'autres chrétiens aussi, hein. Même chose aussi. Quand tu vas aller à l'église ou quand tu vas aller dans telle paroisse là, on te dit, si tu portes mèche là, faut cacher parce que c'est pas bon. Mais vous ne comprenez pas. Vous voulez être toujours belle. Vous prenez les trucs démoniaques, vous mettez ça sur vous. Vous pensez que quand vous mettez les bêtes 400 000, 500 000 là, c'est ça on va vous nommer pour dire qu'il y a mèche. Non. Je sais qu'il y a la panique aujourd'hui là. Ceux qui ont les mèches dans les magasins, 400 000, 300 000, 500 000, elles sont en problème. Parce que Miss, les femmes là vont voir. Elle s'est coiffée 500 francs. Ça, c'est coiffée de 500 chez les garçons. 500 francs. Ça ne vous met pas 1 euro. On sent dans quelque chose de. Ça ne vous met pas 1 euro. Coiffure qu'elle a, ça ne vous met pas 1 euro. Quand on convertit là. Par exemple, 1 euro, c'est 655 francs. Mais ça, là, c'est 500 francs. Vous voyez? Vous êtes là. Vous êtes agité en train de vendre vos corps, en train de faire des choses pour aller acheter les mèches humaines. Voici exemple. C'est pour cela qu'il dit non, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vraiment parler, pour sensibiliser nos frères et sœurs. Nos frères, mais tu motives nos sœurs à avoir les mèches humaines. Là. Mes frères et les frères et sœurs, regardons cette miss-là. La miss 2022, là, c'est si elle, on va prendre exemple. Ce n'est pas les mèches qui font la beauté d'une femme. Vous comprenez? Ce n'est pas les mèches qui font la beauté d'une femme. La beauté d'une femme, c'est le cœur d'abord. Après le cœur, vient le comportement. Après le comportement, vient maintenant physique, beauté, tout cela, ça vient. On prie Dieu. On prie Dieu que les filles, les femmes vont se ressaisir à travers vraiment Miss Côte d'Ivoire 2022. Parce que je sais, il y a deux filles qui vont faire une vidéo pour dire maintenant à cause de toi, on ne va plus gagner nos mèches, nos commerces ne vont plus marcher avec mèches humaines. Ceux mecs qui mettent mèches humaines là, eux ne connaissent pas la valeur des mèches humaines. En aide qu'on dit en aide là, ou en truc là, c'est grave. C'est pas bon. Vous les filles, vous-même, vous pouvez garder vos cheveux. Il y a des produits même qui font pousser les cheveux rapidement. Même si tu peux prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu vas avoir ces cheveux-là, ce coupe de cheveux-là, tu vas avoir ça. Vous comprenez? Moi, je vous demande pardon. Yaya, Yaki, Sabaré. Arrêtez de mettre plus de centaines de mille dans les cheveux des gens. Vous pouvez prendre ça pour réaliser, pour faire autre chose. Vous enrichissez ceux qui sont achetés ça en aide à moins cher. Et ils viennent vendre ça cher. Vous ne savez pas comment on travaille avec ça. Les 200 000, 300 000 que tu mets dans les mèches là. Les 200 000, 300 000 que tu mets dans les cheveux des gens là. Tu peux prendre ça. Et vraiment. Acheter les produits. Et mettre ça sur ta tête. Ça, c'est naturel. Tes vrais cheveux vont sortir. Quand vous partez acheter les mèches humaines, vous ne savez même pas qui est derrière ces mèches. Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas le monde spirituel. Vous ne connaissez pas le monde qui se passe en ce moment. Tout est basé sur démoniaque. Mais vous ne voyez pas. Tu ne connais pas quelqu'un. D'autres même disent non que oui, ses cheveux des morts. Quand quelqu'un meurt, c'est là on s'en le raser. Et sa famille font ça. Quelqu'un tient mort, on
prend ses chevilles, on travaille assez, puis on t'envoie. Tu ne sais même pas où ça quitte. C'est dans quelle main ça passe avant que ça vienne chez toi. Et puis tu portes. Et puis tu es content, tu es fier. Que moi, j'ai porté. Ça, c'est mes humains. Ça, là, ça ne se garde pas vite. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça, Adama? J'ai fait cette vidéo vraiment. Je ne suis pas là pour dire aux femmes que brûlez vos mèches. Non, mais j'ai fait ça. Pour vous dire, arrêtez d'acheter les mèches humaines. Parce que c'est inutile. Toi, mais Dieu t'a donné la tête. Dieu t'a donné les cheveux. Achète les produits. Toi, mais tu vas faire pousser tes cheveux. Tu vas faire pousser tes cheveux, c'est naturel. Dieu sait pourquoi il nous a donné les cheveux qui sont crépus, les cheveux qui sont durs. Il sait. Parce que nous-mêmes, là, en Afrique, là, il fait chaud. Parce que si nous donnons des cheveux lisses comme pour les blancs, là, ah, mais tout le monde va être chauve. Parce que ça, c'est cassé à chaque fois. Mais avec nos cheveux crépus, là, ça dure. Même sur les mains, t'es pas très même. Matin, midi, soir, tu es là, mais ça ne se casse pas comme ça. C'est ça, on a. C'est Dieu. Vous pensez, Dieu, eux pensent que Dieu, d'autres le sous-estiment. D'autres disent que oui, il n'existe pas. Non, mon frère. Quand Dieu te donne, quand il y a quelque chose, tu dis, Dieu, ah, franchement, ce que Dieu fait bon. Ah, Dieu m'a donné ça là. Il sait pourquoi il m'a donné. Mais si tu es né, tu es tatatant, tu es malade, tu es infime, tu es comme ça. Là. Faut dire Dieu merci à toi. Parce qu'il y a d'autres même là. Ils ont fini à frapper à Oko jusqu'à. Les aveugles gâtent les enfants seulement à chaque fois. Mais plus toi, tu es venu au monde là, c'est que vraiment, tu as un plan, tu as une mission à faire ici. Ce n'est pas pour cela que tu vas aller acheter des mèches humaines que quelqu'un d'autre enlève sur sa tête. Tu ne sais même pas, il a quel génie sur lui. Et tu mets ça sur toi. La nuit, tu n'arrives plus à dormir. Toutes tes affaires ne marchent plus. Or, c'est ce que tu as mis dans ta maison. C'est ça qui te provoque. Tout ce que tu mets sur ta tête, tu es en train de faire malin, ça. C'est ça qui est à la base de tes malheurs. Tu ne sais pas. Bon, bref. Bon, parce que j'ai montré la vidéo d'une dame aussi qui a agité là-bas dans la salle. Est-ce que vous savez, nous les Africains, il est temps de se ressaisir. La femme, elle agitait, elle est en train de humilier les candidats qui sont dans la salle. Ma chérie, tu es une femme. Si c'était pour que tu puisses foutre la merde là-bas, là, ou si j'ai buzz là, c'est pas là. Parce que je pense que tu n'es pas une petite femme. Tu es une grande dame. Au moins, tu es respectée dans la famille. Tu es respectée aussi par tes collègues. Mais tu viens mis en train de se passer comme ça. C'est pas jalousie, tu es en train de faire comme ça. Tu es humilié pour toi seul. Ah, ça là, pourquoi l'Afrique? On dit non que oui, c'est les blancs qui sont à la base de nos malheurs. Toi, comme ça, ils vont me dire non, c'est les blancs qui t'ont envoyé quoi. Nous, les noirs, on a un comportement de margouillard. On a un comportement de lézard. Et on a un comportement de caméléon. L'homme noir, où tu dis, je vais le mettre là, lui là, il dit, il n'aime pas là-bas. Ou toi, mais tu penses qu'il là, il va être à l'aise. Il dit, non, il n'aime pas, il veut de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Tu es dans la salle devant moi d'entier. Combien de milliers de personnes qui regardent ça en direct? Combien de milliers de personnes, centaines de personnes qui sont dans la salle? Tu connais tout cela. Mais tu viens te montrer, tu viens t'y agiter. Mais moi, si c'est moi, toi, on doit te remarquer, 2024, là, toi-même, on va t'interdire d'aller dans la salle même. Parce que toi, même si tu avais une bombe sur toi, tu pourrais jeter et tuer les gens. Arrêtez ça. Ce comportement-là, on n'a qu'à arrêter ça en Afrique. On n'a qu'à arrêter ça. Tout ça, après, c'est pour accuser le gouvernement. Encore. Parce que tous les trucs qui se passent en Afrique, on dit c'est le gouvernement. Pour changer la mentalité d'un Africain, là, c'est le problème. Parce que c'est fait, tu es dedans. Fait, avec caillou, tu es dedans. Donc, pour enlever ça, il faut être dur pour enlever ça.
où vous avez vu les blancs, quand ils sont assistés, où ils sont vraiment encouragés, comment je vais dire même, comment dirais-je, aller regarder, soutenir les candidats là. Est-ce que vous avez vu un blanc ou une blanche entrée se comporter comme ça lors des miss de temps? Est-ce que vous avez vu ça? Mais c'est en Afrique. On voit tout ça là. Je sais qu'il y a des gens qui ont vu, mais ils ne vont pas parler de ça. Moi, je parle de ça. Est-ce que ça, ce comportement-là, est-ce que c'est bon? Une femme, une dame, qui est triste, agit comme ça. Oh, oui. C'est quoi, madame? De nos jours maintenant, les réseaux sociaux sont versés. Caméra est versée partout. Tu fais ça là et ton gars filmé, ton image est là. Avec quel comportement ça? Donc, franchement, c'était juste mise au point pour dire aux gens que arrêtez d'acheter des mèches 300 000, 400 000, 500 000. Voici l'exemple. Elle s'est coiffée. Ouais, il m'a coiffé. Hier, je me suis coiffé. Vous voyez? Je suis devenu joli encore. Elle aussi, c'est pareil. Ça là. J'avais ça à 20 dirhams. 20 dirhams, ça fait 1200 ou 1300 comme ça. Et puis moi, je lui ai donné pour boire. Voilà. Au coiffeur. Vous comprenez? C'est joli. Donc, c'est ça qu'on va faire. Garder les cheveux. Si tu peux garder. Tu peux garder, tu vas payer les produits pour faire pousser. Oui, c'est bon. Mais pour dire, tu vas prendre mèche humaine de quelqu'un d'autre. Tu vas mettre ta tête. Tu vas payer ça 400 000, 500 000, cher. Ça là. Ça veut dire, mais ta tête est promenée, génie. Si ta tête, tu ne sais pas que c'est les génies, mais qui sont dedans. Est-ce que vous voyez? Est-ce que je ne suis pas beau même? Merci. Je suis quand même beau là. Il y a d'autres qui me kiffent là. Donc, elle m'a coiffé. C'est comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok et puis YouTube. Je suis partout. Sur les quatre plateformes, je suis partout. Vous pouvez me trouver là-bas. Voilà. Si on veut s'amuser, venez sur TikTok. Là-bas, on s'amuse un peu. Donc, abonnez-vous, partagez la vidéo, laissez les commentaires. Là, ça peut me donner. C'est le seul courage que. Ou c'est le seul, encouragement que je veux. Cet encouragement que je veux, c'est pour partager ça dans les groupes, partager ma vidéo dans les groupes, et puis faire les commentaires et liker. Voici les trois. Voilà, donc, franchement, merci beaucoup à vous. Abonnez-vous. Merci, ciao.